Et salut tout le monde et bienvenue cet après-midi pour un petit live Devil Genius 2. Donc on va streamer deux petites Faire petits ensemble. lives Devil Genius 2. Donc on va streamer deux petites Faire petits ensemble. lives. Comme ça on va pouvoir avancer un petit peu dans nos quêtes en tant que super vilain. Voilà, c'est tout simple, c'est ça le plan. J'ai tout préparé, on est parti sur le jeu. Donc j'ai essayé de faire une petite bon, j'ai pas pu faire les temps que je voulais, l'ellipse, je voulais faire 2 heures, j'ai pu faire qu'une heure. Bon, on verra ce que ça donne au niveau de l'avancement avec Ivan le Rouge et son super bazooka. Donc là on est parti, alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, je vais mettre en pause. Alors pendant l'ellipse, j'ai recherché déjà des réseaux criminels de niveau 3, tout simplement pour arriver à débloquer la trafiquante d'armes à contacter en Australie pour améliorer le Havoc. Les karatékas, ça s'est fait vite fait bien fait, donc je vais réduire un peu les effectifs le moment venu. J'ai un petit peu agrandi le labo ici, j'ai rajouté des trucs de biologie, donc on a aussi une centrifugeuse. Et là actuellement je recherche aussi l'activation des antennes radio, tout simplement pour un petit peu plus de puissance d'émission. Donc là actuellement l'objectif que je veux faire c'est contacter ici cette trafiquante d'armes, mais pour le moment je ne peux pas améliorer mon réseau. Au niveau 3, j'ai les joueurs, c'est enfin les j'ai les sbires requis, c'est pas le problème, mais je suis en train de faire une autre mission à l'heure actuelle qui va me prendre 6 minutes. C'était pour accumuler un petit peu d'argent. Il faudra aussi que je fasse la technologie pièce radioactive pour avancer un petit peu. Au niveau de la base, j'ai juste un petit peu agrandi la salle de la cantine, quoi, on va dire ça comme ça, pour avoir plus de sbires qui puissent manger en même temps. J'ai un petit peu agrandi aussi la capacité de la caserne, on était à 205. Les sbires là je peux monter à 235, ce qui est plutôt correct. Donc là au niveau des quêtes annexes, j'ai pas pu faire grand chose pour le moment. Mais je vais en prendre une. Justement, je vais prendre. Alors j'hésitais entre avoir ce chasseur là ou un nouveau butin. Je pense que je vais prendre le chasseur parce qu'on va avoir besoin d'hommes de main pour mieux nous défendre. On a déjà Jubai, on a déjà Mysterio, Incendio et Eli Barracuda. On va partir sur le chasseur et apparemment c'est un sbire orange donc qui sera en lien avec Ivan. Donc on va le faire. Alors, un nouveau concurrent apporte avec audace les chemins du complot. Il pourrait vous être utile dans le doute. Offre-lui une prime au recrutement. Quelqu'un vous espionne et traque vos moindres faits et gestes. Vos cheveux se dressent sur votre nuque et ce n'est pas dû à une climatisation mal réglée. La chasse est ouverte et vous êtes la proie. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans le milieu de votre lair, surrounded by henchmen. Nous ne sommes pas. Nous sommes en plein cœur de votre base magnifique, entouré d'hommes de main, alors forcément. I mean, forces more diabolical and more dangerous than a minion are lining me up in crosshairs. Ne jouez pas l'imbécile, je parle de forces plus diaboliques et plus dangereuses que des sbires qui vont dans le collimateur. Like that guy in our senses who keeps saying he's out to bag the biggest game of all. Comme le type qui apparaît sur nos capteurs et qui n'arrête pas de dire qu'il est là pour nous ramener le plus gros trophée de chasse. Exactly. That's a force to be reckoned with. And we shall reckon it with employee benefits. Hire that man. Exactement. Il ne faut pas sous-estimer. Alors nous allons lui offrir des avantages sociaux. Recrutez ce type. Offrir un poste à Sir Daniel dans le monde. Alors il est où? Sir Daniel. Eh bah tu sais quoi, on va tout de suite faire un repérage. Dites-moi qu'il faut pas un réseau niveau 2. Non, ça va. Oh, il nous faut 50 000 $. Oh. Ça va coûter cher. C'est moi qui vous le dis. Alors ici, on va reculer la tension. Ça coûte 5 000, ça va. Voilà. Salut Loubou, comment vas-tu? Donc là, on va recruter un nouvel homme de main, Loubou, en mission secondaire. J'ai un petit peu avancé dans les trucs, j'ai réussi à faire l'objectif d'empêcher la guerre d'éclater. Là, je suis en train de développer un petit peu mon réseau. Alors, ça coûterait de l'attention, je suppose. 50 000 $, oui, tu m'étonnes. On va récupérer...
20 000 $ ici en attendant. Sir Daniel, éminent chasseur et potentiel obstacle sur votre route, prépare sa prochaine chasse. Évitez de devenir sa proie et proposez-lui de vous rejoindre votre organisation. Un chasseur, ça c'est bien ça. Il nous en faut des chasseurs, hein. Une chasse à l'homme. Donc là, on va faire le pognon tout de suite. Donc dans 30 minutes, ce sera bouclé. Il va nous falloir... Là, on va avoir bientôt 2 points d'émission. Une fois la technologie terminée, là, on va être à 100%. Peut-être que si je détruisais ce réseau-là, justement, je m'en sers plus. On va le détruire, c'est qu'un réseau niveau 1. Ça va nous redonner un point. Et là... Alors, prérequis ou insuffisant. J'ai... Attends, quoi? Je peux pas l'améliorer, pourquoi? Ah, une menace doit être neutralisée, d'accord. 50 000, le loup, pas 500 000. An agent has escaped captivity. Oh, mais il y a des agents. Tue-moi ce bordel, là. An intruder is in the lair. Kill them. Bah, c'est un chasseur, le bout, hein. Ça peut se justifier. On va essayer de le distraire. Alors, au niveau des sbires, vu qu'on a 235, on en a 15 ici, on en a 15 là. Voilà, on va remonter à 15 techniciens maintenant qu'on a de la place. Allez, ça tabasse. Alors, c'est qui ça? Oh, John Steele. On va le laisser venir un peu. On va voir s'il va déjouer tous nos pièges. Alors, avant tout ça... On va pas faire venir Ivan, ce serait trop risqué. Alors, Ellie, je vais utiliser la capacité spéciale de Joe Bailoubou qui est assez forte. Alors, tu le vois ici. Tu vois où il est, Joe Bail, là? Il est dans la salle du sanctuaire de mon Evil Genius. Regarde ce que je vais faire. Je vais activer sa capacité spéciale. C'est une capacité qui est assez forte. Et qui peut vraiment te sauver. Je vais utiliser la marche aérienne, tu vas comprendre. Alors si ça a bien pris en compte mon truc. What do you ask of Jubei? I live to serve. Alors il est où? Hi. A trap has been triggered. Fear, rage, and death. Voilà. J'ai pu le téléporter, c'est une de ses capacités spéciales. Bring me a real challenge. Alors John Steele. Voilà. Ça nous évitera des petits problèmes. Au revoir John Steele, c'était sympa. The memory of John Steele beats in many hearts, not one. Another will come for you. Bon, elle reviendra pas. Donc là on a distrait les agents. Ouais, ça c'est pratique, hein. C'est très fort comme capacité, on va pas se le cacher. Alors, est-ce que j'ai réussi à faire des objectifs optionnels par exemple? Non, bon, on va en virer. Les saboteurs, on s'en fout. Les enquêteurs, on s'en fiche. Ah oui, mon réseau niveau 3, s'il vous plaît. Donc, il va nous falloir un mercenaire, un de chaque de type. Donc, c'est plutôt cool. Et on va faire de l'interrogatoire pour récupérer un peu de renseignements. Ça fera pas de mal. Ah bah c'est Joubert qui va s'en occuper. J'aime bien quand un homme demain prend les choses en main sans mauvais jeu de mots.
An interrogation has succeeded. Voilà. We have more intel. Alors, attention. An interrogation has succeeded. There's an opportunity on the world stage. Tuer des saboteurs, non. Le karatéka, on va le garder pour plus tard en réserve. Il nous en manque combien ici? Ok, c'est pas mal. Là, ça va, on a amélioré un petit peu le casino aussi, c'est plutôt pas mal. Là, ma salle de... mon couloir là de la mort, c'est plutôt cool. Là, il faudrait... ce qui me ferait marrer, c'est que là, je mette un truc de requin à la fin. Et là, il y a des agents qui tombent dedans, ça serait marrant, quoi. Mais est-ce que ça sera assez grand? C'est ça que j'ai peur, quoi. Il y a des sous-systèmes pour faire des combinaisons de... de pièges, c'est assez drôle, ça. Donc là, j'ai viré tous les trucs de karatéka, juste parce que j'en avais trop. Mais je vais garder cette petite salle en cas de problème. En bas. Donc là, on a un petit, on n'a pas agrandi grand chose. Hein, pour la salle des coffres. Je pense qu'on peut monter à 500 000. Facile. Par contre, là, le problème, c'est le salaire des sbires. À un moment, ça va être chiant. Ok. Bon, là, on va cumuler plus d'argent un peu plus rapidement. C'est plutôt pas mal. Alors là, on s'est un réseau niveau 1. Je suis à 36. 36, non, ça va faire trop. Et je vais envoyer juste 3 ouvriers, réduire un peu la tension là. Bon, on va y arriver petit à petit. Je pense qu'on est plutôt en bonne position. J'ai peut-être envoyé Ivan bouger un peu les biologistes. Donc Ivan, là, il va être tranquille. Allez, on se bouge. Ah, un petit piège au niveau 1. C'est quoi? C'est qui? Oh, des agents. Encore. À capturer. À capturer. I will kill this one. Only if I must. 2 prisonniers, c'est toujours ça de prix. Ah oui, j'ai aussi débloqué en technologie, j'ai oublié de le dire. La technologie qui permet de creuser dans la roche. Dans la roche un peu plus vieux, donc là on pourra encore agrandir certaines salles. La caserne elle va être de plus en plus immense, ça va être marrant. An agent has been captured. An agent has been subdued and captured. Former des karatéka, c'est fait. Bah en vrai on pourrait faire un marchand d'armes tout de suite, tiens tu me diras. Allez, let's go. Ouais, ça devrait être passé logiquement. 96, 146, ça va le faire. Hein. Bon, on va voir la cambrioleuse qui va venir, mais bon, on va s'en occuper de la cambrioleuse, de la symétrie. On va lui refaire le portrait. Mais pas sûr que ça finisse, ça soit bien symétrique cette fois, sa tronche. Bon. Eh ben, tu sais quoi, on va renvoyer Jubei, j'ai un autre plan. Ah. We have captured an agent. Voilà. What do you ask of Jubei? Je me demande si je serai comme ça, vieux, ou toi, le bout, quand on sera dans un âge très avancé, tu sais. Si on arrive à être comme ça, tant mieux, mais j'y crois moyen. Bon, là c'est bien. Oh, oh, attention, tue-le. Chopez là. Yeah.
You're running out of gold. Ouais. Maybe spend less or steal more. Donc là, la trafiquante d'armes, ce sera bon. Excellent. Par contre, on va baisser un peu la tension. Non, ça va coûter trop cher. On va la laisser venir, justement. $25,000 pour baisser la tension, on va éviter. Vas-y, fais ton enquête, justement. Je veux que tu viennes. I didn't notice. Alors, Jubai. Il y a deux succès avec symétrie. Ah, tu connais pas la téléportation? Tu crois que je la connais, moi, Loubou? Allez. Coucou, c'est Jubai. Justement, j'ai envoyé Ivan aussi en renfort vu qu'il est dans le coin. Ellie. What do you ask of Jubai? Rogues are stealing your gold. Comment ça, un ennemi sans peur que votre arme est sécurisée? Ah bah elle est là. Yes. Coucou, comment tu te sors d'un truc? Oh, elle fait mal, allez. Allez. Encore un coup et il va la neutraliser. Ouais. I'm almost impressed. Maybe next time, he'll dazzle. Alors attends, est-ce que je me serais pas trompé? C'est pas le... Est-ce que je me serais trompé de succès? C'est ça la question. What do you mean? Ah non, je me suis trompé. Avec Jubai, c'est quoi? C'est le plus grand saboteur du monde, c'est ça? Attends, je vais relire le succès, peut-être que je me suis planté. Ah non, c'est le plus grand saboteur. Elle, c'est la plus grande voleuse du monde. Ah, il fallait laisser la grande voleuse se réussir son coup. Bon, on le fera une prochaine fois, ce succès-là. Bon, Ivan. Bon. Au moins, il a neutralisé la cambrioleuse. Mais on sait que l'attaque de Jubai, elle est craquée. Hein. On a la preuve. Rogues are stealing your gold. It's what I train for. Et là, le fait qu'il se batte dans les couloirs, Ivan, ça a lui donné un avantage. Parce que là, les ennemis sont ils sont l'un derrière l'autre. Quoi. Ce qui fait qu'il peut les enchaîner les uns après les autres. Before they know what hit them. Soon they will see red. A trap has been triggered. Ok. I'm thinking. Alors tu vas revenir tout de suite. I'll be back. Alors j'ai vu qu'il y avait des pêches qui se sont déclenchées. Bah, exécution d'agent. Allez, let's go. I want that in through the dead if you find them. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Ouh, des soldats. Des soldats vont arriver en masse. Justement, on doit pas en tuer des soldats dans les objectifs optionnels. Tranquility?
all boring. Alors, il va intervenir au sanctuaire, ouais. Ah oui, j'ai oublié d'interroger l'autre con. Ah, les deux autres gugus, là. Escorter le prisonnier, interrogez-le, là. Et toi, tu vas te faire interroger, là, pour quelques indices, même si on est à fond. Ça va calmer tout le monde, comme ça. Oh, mais c'est pas possible, ça. Your minions are in combat. You're running out of gold. Ouais, c'est mes salaires, hein, le problème. Donc là, on a un réseau niveau 3. Oh, 300 000, je reprends tout de suite. Ah, on va avoir un autre John Steel sur le dos, mais je m'en fiche. Par là. On a 47. Hey, du pognon, du pognon et du pognon. Et en plus... Oh. Bon, bah les soldats, ils sont plus là. Ça, c'est fait. Donc là, je viens de compter, on peut avoir jusqu'à 5 hommes de main en plus de nous. Alors, je sais pas. Parce que moi, il y a un truc qui me dérange. T'as 8 sièges là en tout. Donc t'as Ivan qui se met là. Donc, alors 3 et 4. Pour moi, alors soit tu peux avoir jusqu'à 8 hommes de main et que la barre s'étend. Soit tu peux en avoir que 5. 5 au maximum. Chopez-le, chopez-le. Espèce de déserteur, attends. On va lui relaver un peu le cerveau, hein. Ahmed Keïta, là. Alors, oui, Loubou, je l'ai mise quelque part, justement. J'ai essayé de la mettre ailleurs, mais j'ai pas réussi, je l'ai mise là. Alors, j'ai essayé de changer l'emplacement, même si... Tu vois, là, je peux la mettre que dans le couloir, apparemment. Bon, au moins, elle est à l'abri pour le moment. Il n'y a personne qui l'a tenté de la choper. Et je l'ai mise là exprès parce que comme il y a beaucoup de passages de sbires, tu vois, je me dis que c'est quand même relativement protégé. Alors, former des biologistes. Allez, 10K. On y est presque, là. On peut y arriver pour l'objectif. Exécuter un tueur à gages. Ok. This one is a waste of... This order is a red herring, no? Donc si on exécute ce soldat, ce sbire, allez, c'est bon, on va vite chercher Sir Daniel, est-ce que c'est possible là? Bien sûr que non, parce que... Ah putain, fais chier. Je vais perdre 10K, mais je vais vite les regagner si je tue le gars. Allez, Ivan. Alors, est-ce que tu vas me l'exécuter, ce gars, ce tueur à gage à la con? Ok, ça a été fait. Vite. Hop, Sir Daniel, on va le recruter. Ah, il va y avoir elle qui va se débarquer. Bon, tant pis. Allez, 50K, mais ça vaut largement l'investissement. Salut Momon, comment vas-tu l'ami? Bienvenue à toi. Bon. C'est cette semaine hein, que vous me retrouverez un peu l'après-midi. Alors, jeudi soir, je suis pas encore sûr de streamer, je vais réfléchir. Peut-être que je streamerai l'après-midi. Ou si vous êtes chanceux, je ferai les deux. Donc ça serait 2h l'après-midi et le soir, 21h minuit. Donc là, demain, à soir, ça sera... Donc demain après-midi, je sais sûr, je stream pas. Je streamerai sur Free Kingdom, j'ai fait une petite idée, donc certains verront. J'en ai parlé déjà avec toi, Loubou, donc t'es au courant. Donc pour faire simple. Alors le contrat, s'il vous plaît. Donc on va rencontrer elle, Castania. Donc Castania qui est le jeu de Castagne, hein, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas reconnu le petit jeu de mots. Alors ici on a un truc de niveau 3. Donc là on va essayer de développer aussi un peu les recherches de niveau 3. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici?
Ça me plairait de faire un relais radio avancé. Peut-être que ça a donné des petits bonus. Je me souviens que dans le premier avis de Genus 1, il y avait des relais radio à un moment, en fait. Ils étaient plus petits, donc ils prenaient moins de place. Alors, est-ce que c'est ça? Ah, mais bordel. Tu es là. Hold and eliminate that intruder. Oh bah tiens, moment, tu vas découvrir la nouvelle capacité de Joe Biden, la téléportation. En vrai, Joe Biden contre les super agents invés, il peut être très dangereux quoi. Alors on va le reconditionner. Bon, on va l'interroger. Donc là, on est bien. Alors, où est-ce qu'il en est, le contrat? Donc, dans 20 secondes, on aura la première partie du truc. Ouais, elle est vraiment très forte, quoi. Ça peut vraiment t'aider à intervenir à un point de danger, quoi. Je vous présente Sir Daniel. Vous êtes une personne de pouvoir et d'honneur, mais la stratégie n'est pas votre fort. C'est l'un des hommes de main que j'essaie de recruter. Does that mean you reject my offer? Ça veut dire que vous rejetez mon offre? It's amusing you think we'd ever be allies when we're meant for greater things. Ready yourself and your people. Vous pensez que nous pourrions être alliés? Non, nous sommes destinés à de plus grandes choses. Préparez-vous ainsi que vos hommes. What is that supposed to mean? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Sir Daniel Ernest Hemingway. Get your... Bah justement. Alors oui, Joe Biden. Il va pas tarder à arriver, c'est ça? Vous savez qui me fait penser? Ouais, c'est ça, Momon. Il me fait penser à Fanbelt dans Jumanji avec Robin Williams. Et d'ailleurs, c'est le même acteur qui joue le père de Robin Williams jeune, j'ai plus son nom. Il avait aussi joué dans La Momie Titanic. Alors, il est où, Sir Daniel, que je le vois un peu? Oh, il est là. Joe Biden. Alors Joe Biden, est-ce que tu peux déjà... Alors, je vais pas le mettre en accéléré. Sors de là. En plus, il peut se téléporter entre les étages. Ça, c'est cool. Bonjour. Oh, c'est un fusil. Alerte, alerte. Il massacre nos mignons. Voilà. Mais je pense que c'était le truc voulu. Sir Daniel est dans les cordes, il est persévérant, mais ça devrait être son dernier combat. Your minions are in combat. Où ça des... Attends, quoi? Où ça des combats? Chopez-le. Go. Ah, il fait mal, hein. En vrai, son sniper, il serait tellement pratique en défense. Oh. Alors là, je vais me demander si je sais que je devrais faire une autre recherche là. J'en ai besoin pour mes sbires. C'est ça. Des bâtons à râteliers lourds. Je pense que ça peut aider nos karatékas. Au niveau des dégâts. Oh putain. Il cartonne dans nos sbires, lui, il n'y a pas à dire. Par contre, je vais recruter des sbires pour compenser. J'en recrute 5 pour 10 000. Voilà, hop.
putain, il est one shot. Waouh. Voilà. Par Jupiter, le chasseur est devenu la proie. I'm not hunting you. I'm beating you. This is you, defeated. Vous n'êtes pas juste une proie, juste le perdant de l'histoire. Vous n'êtes pas une proie, juste le perdant dans l'histoire. No hunter is ever defeated, for no hunt ever truly ends. Un chasseur ne perd jamais car la chasse n'est pas jamais terminée. Je n'ai jamais vraiment terminé. Doesn't it end once you've taken down your prey? Kind of like I did to you just now. Elle ne se termine pas une fois que la proie est à terre, comme c'est le cas pour vous. Technicalities, you've won this day. I honor our skirmish until the day I move in. Vous jouez sur les mots, vous avez gagné aujourd'hui, ce fut une belle bataille, mais je reviendrai vous porter le coup de grâce. Bon, on va continuer de le chercher, hein. Minion. Hey, vous. Yes, boss. Oui, chef. Did you or anyone else schedule a plant placement here? Est-ce que quelqu'un a installé cette plante ici? No, boss. This one placed itself there, muttering something about how the prey will prey today. Non, chef, cette plante s'est installée ici toute seule. Elle a murmuré quelque chose à propos de sa proie. Well, that's not suspicious at all. I will investigate this completely normal plant with violence. Voilà qui n'est pas du tout suspect. Je vais inspecter cette plante, on ne peut plus normal, violemment. Sir Daniel Ernest Hemingbourne. Il est où encore celui-là? Neutralisez encore Sir Daniel. Ah, ça va être vite fait pour le capturer à ce rythme-là, non, sérieusement. C'est quoi tout ça? Je suis sûr qu'il est dans l'une de ces plantes et qu'il va nous foutre le bazar. Voilà. On parie combien qu'il est dans l'une de ces plantes? Ah. Castagne, attention. What do you wish of Incendio? Et croyez-moi, elle a l'air dangereuse. Not enough gold to complete this Well, that wasn't exactly Queensbury rules there now, was it? On va vendre toutes ces plantes là. This is where the magic happens to you. Oh. En vrai, Incendio, il a l'air pas mauvais du tout, hein. Incendio is listening. Là, si je devais m'en débarrasser, ça m'embêterait. Il a des attaques à distance assez intéressantes. Il distrait bien au casino. Tuez-les. You haven't beaten me. You've just caught me between strikes of my hammer. Your minions are in combat. These are the best fighters? Zuve will honey stay fresh. Voilà. Excellent. Trouver le point faible de Sir Daniel dans le monde, c'est où? Ça doit être là. Il va nous falloir des mercenaires à nouveau. Ok. Bah oui, on a déjà. C'est tout à fait normal, mon cher Moment. Tout à fait, Thierry. Restez en alerte pendant 60 secondes. Exécuter un technicien. Bon, on va le faire. On va faire les deux tout de suite avec Ivan. Déjà,
Le technicien, il est où? Donc là, c'est bien. On va développer nos râteliers d'armes, là, pour rendre nos karatékas plus mortels. D'ailleurs, je peux en débloquer combien de karatékas? Je sais même plus. 10. Bah, 2 râteliers de ça, ça devrait être suffisant. Ok, et maintenant, alerte rouge. Alerte générale! Alerte générale! Dans le monde, on peut faire quoi, là? On va baisser ici, et là, on va baisser aussi. Ok. Voilà. Les mercenaires, je peux en avoir jusqu'à combien, j'avais dit? Une dizaine aussi, logiquement. 10 aussi, ok. J'en profite un jour. Bientôt, il y aura des pièges à requins ici. Si j'ai la place, j'annonce un piège à requin. Voilà. Pas de sensu ou je ne sais quoi qui viennent m'emmerder. Et là, justement, j'ai bien fait d'étendre mon armurerie, là. Bizarrement, hein. Est-ce que je l'ai anticipé? Je dirais oui. Construire des extincteurs, on va en construire 3 de plus. Ok, bon. Alors, on en a déjà un, là. Est-ce que si je le pivote, ça passe? Oui, 2. Ouh là là, il y a du people. An intruder is in the lair. Kill them. Il est où, lui? Il est là. Et parce que j'ai Jubai et sa capacité craquée. Ah, franchement, elle est craquée, sa capacité. Je pense que vous serez d'accord tous les deux, Momon et Loubou. Coucou. Ça va, les mecs? Je vous dérange pas? 2 coups, hein. Wow. J'ai encore amélioré mes hommes de main, bientôt vous allez voir. Et là on va les booster un petit peu les Gugus. En combinaison. L'élément extincteur débloqué, ok. Est-ce qu'il y aura d'autres techniciens qui vont se former, logiquement? Oui. Donc là on recrute pas mal de gardes. Ouh. Il me reste de la puissance des missions, là. Tiens, j'ai envoyé ici. J'ai amélioré le réseau d'Afrique du Sud, justement. Bah, vous m'avez compris. Comme ça, là, on sera bien. Donc là, on a encore du pognon à voler. À gogo, là-bas, pareil. Et là, on va mettre un petit peu d'accélérateur. Bah, franchement, ça se passe bien, cette partie. Hein. Je vous avoue que je redoute un peu ça. Allez, au travail, les sbires. Plus on aura de moyens pour se défendre, mieux ce sera, bien sûr. Vous imaginez, on a de meilleures salles de contrôle qui sont plus petites. Pour le réseau, ça serait cool. Ça nous fera un gain de place considérable en bas. Bon, là, on a une cantine au top.
Par contre, là, je vais revendre une des cantines. Et je vais remettre une juste pour les éléments ruses. Non, science, ils en ont pas encore, c'est vrai ça. Comme ça, ni vu ni connu. Ensuite, on peut encore agrandir ou pas? On peut encore agrandir, c'est plutôt pas mal, on va le faire. Voilà. On va perdre un peu d'argent, mais il fallait s'y attendre. Ok, lui, on va la conditionner, cette personne. Allez. Ah, il est plutôt cool, hein. C'est plutôt tranquille cette partie. Là, je pense qu'en vrai, on va la finir. Donc, je sais pas dans combien de temps. Mais admettons, les gars, je vous posais une question. S'il devait y avoir des nouveaux Evigenius qui devaient apparaître en plus des 4 de base, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse la campagne de l'un d'eux? Alors, idéalement, ce que j'aimerais faire, vu que j'ai fait Ivan le Rouge qui est un homme, si j'ai un autre Evigenius féminin qui sort dans le futur, pourquoi pas essayer de faire sa campagne avec, ça pourrait être cool. Mais franchement, le 1 j'avais accroché, mais là le 2 j'en décolle plus. Je vais pas vous le cacher, avec Free Kingdom c'est tout. Donc évidemment, chaque Evil Genius a sa propre fin. Hein. Donc là on est à 50% pour le râtelier à bâton lourd. 20 et 25, 45, 45, 75. Donc là, avec les technologies, à la fin, on sera à 300 sbires. Je retirerai peut-être 2 ou 3 casiers, ça devrait être bon. Donc alors, le point faible de Sir Daniel, il est où déjà? Je vais aller tout de suite le chercher, au moins on sera tranquille. Oh la vache, ça remonte vite le pognon là, c'est bien. Agent X ici, on va faire gaffe. Donc là j'ai un réseau niveau 1. Et je vais aller chercher les 20 000 ici. Ça donnera un peu plus d'argent dans nos caisses. Bon, pour le moment là... Ah putain, on va encore avoir un John Steel ici. Oh lolo, tu vas devenir un raptou. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Oula, piège au niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mysterioté. Bon, lui, ça va, Mysterio, il est dans le casino. Lui, il peut nous aider. Voilà. Oh putain, mais il y a encore combien de plantes là, sérieux? Il faudrait se calmer les plantes là-haut. Je sais pas, Jurassic Park ici. Hein. Et je suis pas en Amazonie surtout. Là, c'est plutôt bien. Après, ça peut servir d'élément de décoration. Ça pourrait servir d'élément de décoration, mais j'ai pas confiance bizarrement. Voilà, et la caserne d'en bas, il en a mis ou pas? Oh, mais il est chiant, lui! C'est pas un jardin botanique, ici! Putain, le mec en a mis partout. Mais sérieusement? Bah, j'ai rien commandé. C'est pas moi, Momon, j'ai rien commandé du tout. Réseau de verrouillé, malheureusement. Ah, l'argent afflue pas mal. Ah, ça, moi, j'en sais rien. Ah, un nouveau piège déclenche. Est-ce que ce sont des... Oh putain, il y en a encore.
Tuez-le. Tuez-le. Capturez-la. Non, capturez-les tous les deux. Jubei et la marche du vent. I live to serve. Your minions are in combat. Alors, ça se passe comment ici? Oh, moyennement. Allez. Bon, ça c'est fait. Alors, je me demande si, parce que mes sbires ils regagnent pas de vie, je me demande s'il faut pas que j'améliore des trucs dans mon sanctuaire. Construire l'élément abeille tueuse. Attends quoi? Est-ce qu'on l'a ce truc? Abeille tueuse. Ouais ouais je sais Loubou, je suis assez distrait, il y a tellement de trucs. Bon là ils sont pas encore arrivés, ça va. Donc on a encore un petit peu de temps. On va le faire tout de suite. En fait il faut que j'attende que leur détermination baisse à fond. Par contre il va me falloir une recherche d'abeille tueuse, c'est un piège ça non? Il va falloir que je fasse cette recherche, j'en avoir besoin. Donc là on va attendre que leur détermination baisse. Il y en a un qui va passer au conditionnage et l'autre bah, on va l'envoyer argent propre. Oh, succès déverrouillé. C'est quoi ça? Ça doit concerner quoi? Casino. Vu que c'est l'aider, je dirais le casino. Générer 50 000 en or dans votre casino. Eh. Eh, on est honnête nous. Hein Je m'attendais pas à le faire tout de suite ce succès, mais bon, ça c'est fait. Alors toi tu viens là. Et toi, tu viens là. Allez, Jubei. Ah bah, les deux s'en occupent. Parfait. Voilà, on a gagné un nouveau sbire. Les nouveaux enquêteurs sont arrivés. Ok. Donc, prochaine recherche, les abeilles tueuses. Alors, Ivan. Alors, on a toujours Agent X en Amérique. Je peux pas trop faire de choses là-bas. Là, c'est quoi, ça? L'empêcher la guerre d'éclater, c'est plus la peine. Là, je suis à combien de tension? Je suis à 36 sur 100. 45 et 36, ça fait 81. Logiquement, là, ça passe. Il nous faut générer le plus de pognon possible. Là, on n'a pas le choix pour les recherches. Et si on peut faire des objectifs? Ah bah tiens. Voilà. Ok. Bah justement, il y a 5 enquêteurs là, c'est plutôt pas mal. Bon, ça fait du monde, hein, je suis d'accord, mais avec les pièges, ça devrait le faire. Bon, Jubei, tu vas te replier. Donc là ils vont perdre en détermination, c'est bien. Ouh, tu es là, elle est toute seule. Voilà, on en a eu 3 sur les 5. Non, 2 ou 3. On a eu 2 sur les 5 déjà, c'est plutôt pas mal. Jubei, tu vas revenir là. Hop. Capture. Capture. Bon, le dernier là, logiquement. On le tue. Yes! Nos sbires ont enfin des armes pour taper un petit peu. Et maintenant, on va partir dans les pièges tout de suite abeilleuses. Let's go. Research has begun.
Et j'ai tout de suite développé les râteliers pour mes karatékas. Oh, ça va, je m'attendais à ce que ça coûte plus cher. Bah, 2 x 5, ça fera 10. Là, nos karatékas, ils vont avoir des sortes d'armes. Vous vous souvenez peut-être avec Jubei, il avait ses sbires avec des bâtons. Bah, je crois que ça va être ces bâtons-là. Hein. Allez, tu as un enquêteur pour 3000, boum. Alors, le premier au conditionnel, eux au conditionnage, et le second, les indices. Bon, je sais que je joue en accéléré, ça perd un peu de la dimension, mais je trouve pas... En fait, je trouve que le jeu est plus agréable en accéléré, perso. Après, je sais pas votre avis. Ouh, des soldats qui arrivent, d'accord. Est-ce qu'on doit tuer des soldats? On doit tuer des soldats, justement, ça tombe bien. Et je sais pas si ce sont des soldats de l'Anvil qui débarquent, j'ai pas vu le logo. Non, c'est des soldats du sabre. Ils sont trois, ça va. Minions, seek and destroy this intruder. What do you ask of Jubei? Coucou. Waouh, hey, mais cher, hein, Mysterio. Your henchman is in combat. Allez, 3000 de plus, c'est bien. Ce sont pas des soldats du Patriote. Le smash, on va retirer ça. Ce sont des... Bon, saboteur, on n'en a pas croisé pour le moment. Voilà, ni vu ni connu. Bon, il y avait des civils, mais ils ont rien vu. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez. T'as l'argent qu'on se fasse faire ici grâce à ce réseau. Mmh. Monstrueux. Not enough gold to complete this construction. Alors, si je fais ça, là, c'est combien? 270 000. Bon, sur le long terme, c'est fort. C'est très fort, ça. Il nous faut de l'argent en masse. Ah ouais, il y a aussi le problème, c'est qu'en Europe, on peut plus rien faire parce qu'il y a le gars atomique, quoi. Trois nouveaux enquêteurs. On va lui distraire, cela, on s'en fiche un peu. Voilà. Au boulot, les mecs. Donc le projet de la bêtueuse a repris, donc Ivan, tu vas t'en occuper personnellement. Donc logiquement, c'est au sous-sol. Go Ivan, go. Ah, t'as plus de morale, attends. Bah, du coup, rentre au sanctuaire, regagne ton moral et ensuite on fera le bonus tout de suite. Bon, là, on doit se débarrasser de corps, former des mondains. Quel animal, quand même, cet Ivan. Objectif secondaire, c'est de former un mandat, je pense, ouais. Bingo. Il n'y a pas de technologie pour réduire les salaires des minions, lol. Ah, faudrait peut-être que je baisse un peu le nombre de karatéka, tiens. Genre une dizaine, ça devrait suffire. Et je remonte juste à 5 gardes de plus. Parce que 25 karatéka, je sais que c'est fort, mais quand même. Je me disais bien que j'avais un problème de budget à un moment. Ah non, c'est tout le monde qui peut s'équiper. Bah c'est cool. Bah tu sais quoi, on va rajouter des trucs comme ça, des râteliers d'armes au corps à corps.
Ça a l'air d'être populaire. Peut-être qu'à un moment on passera aux mitraillettes. Tu me diras. Alors est-ce qu'on pourrait passer aux mitraillettes? Donc ça sera sur la fin les mitraillettes, d'accord. Alors Ivan, je te fais descendre au labo secondaire. Enfin c'est le labo. Non c'est pas comme ça Fouika, c'est ça. Allez Ivan, allez mon gros. Allez au travail les feignasses. Vous avez peut-être des gros cerveaux mais il faut les utiliser hein. Alors mes karatékas ils sont combien? Ah mais c'est avec des petits pires qui nous envoient. Ouais c'est ça. Bon 5 tueurs à gage c'est déjà pas mal hein. Vu le prix qu'il me coûte. Mais une fois qu'on aura ces 5 karatékas en moins, ça va aider, je pense. Alors, ouh. Ouh là là. Pardon, on va réduire un peu la tension. Ici, ça se passe comment? On a encore un peu le temps. Elle va être casse-pied. À moins que... Je vais dépenser un peu d'argent, tu me diras. Il n'y a pas de honte. Voilà, on gagne un peu de temps comme ça. Putain, j'ai agent X là. En fait, il faudrait que j'arrive à avoir plus de réseau. Comme ça, je pourrais mettre 2 trucs à chaque fois, quasiment dans chaque région. Ce serait cool, quoi. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Ah ouais, les karatékas peuvent s'en équiper, c'est plutôt cool. Par contre, je pense qu'à un moment, faudrait que je vois pour... Alors c'est qui les pires que je pourrais améliorer la vitalité ici. Augmente l'intelligence des sbires forts de 50. Augmente le moral maximum des sbires sans de 50. Ah, ça peut être fort aussi. La machine à super sérum dans l'infirmerie. Ça va augmenter la vitalité. Ça va donner 100 points de vie à chacun de nos sbires de force. C'est pas dégueulasse, je trouve aussi. Mais bon. Lit de luxe, c'est quoi ça? Ah, on pourrait transformer des couchettes simples en lit de luxe. Ouais, ça peut être un plan. On verra la transformation de la base, à la fin, ça va nous faire drôle, je pense. Non, alors toi, tu vas te faire choper. Toi, t'es un sbire simple, toi, tu vas te faire capturer, toi, tu vas te faire taper, éliminer. Voilà. Alors Ivan en bas ça se passe comment? Fais-moi travailler, allez. What to do? Bon. On n'arrivera pas à la finale en première VOD, mais dans la deuxième VOD ce sera fini. Et on essaiera d'avoir les 100 000 pour... Là, j'ai 15 karatékas, j'en ai 5 de trop quoi. Mais je pense qu'une fois que les karatékas là seront partis, ça va nous aider, ça va nous redescendre. Donc, sachant qu'un karatéka ça coûte 1600, ça fait 1600 par 5, ça fait déjà 8000 qui sont économisés. Oh putain, il y a un enquêteur du sable qui s'est évadé, bien sûr. Chubai. Voilà. On va te capturer, on va te poser. Et comme ça,
L'autre, on l'interroge. Dès qu'il sera à zéro. Ah bah, on va juste attendre qu'on termine la... La technologie, là, on y est presque. Elles sont bien trop occupées à attaquer vos ennemis pour produire du miel. Ok. Bon, ça c'est fait. On va tout de suite le construire, cet élément. Je vais le mettre là. On s'arrêtera là. Ouf, 45 000. Bon. On va s'arrêter là pour cette première partie de live. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.